Mais caméra de ses morts, moi je veux aller voir au bout du coup. Forcément. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée, Dramo. 45 000 PV. Là, je me dis, attendez, 45 000 PV. Non, c'est trop long. Les combats sont beaucoup trop longs pour finalement pas grand chose. Glacier plus. En vrai, faudrait que je fasse une liste. Ah merde. Hop fort. Faudrait que je fasse une liste de tous les petits défauts que je trouve au jeu. Pour le débrief de fin de jeu. C'est des trucs auxquels je pense là. C'est pas forcément des choses auxquelles je vais penser une fois que j'aurai fini le jeu. Sphérogriffe. Nani. Attaque réminifore. Encore une fois, réminifore. Pour drop des trucs de force, non? Un pampa. Pas une stèle pompa. Mince. Il y a un bassin au-delà de la tempête de sable. Un monstre est peint sur la stèle. Oui, c'est ça. Ok. J'ai 70 potions Aldead. Pas toi. Grenada. Mais il n'est pas capable de le tuer, bordel. Tu vas pas le toucher de toute façon. Tu as cécité. Oh yeah. Bon, vol parce que de toute façon, pas capable de faire des dommages. Vol parce que t'es pas capable de faire. Ah, y'a plus rien à voler. Très bien. Il est tout nu. Case closed. Mais t'as servi à rien. T'es pas la maline. Hé, hey, mais y'a des coffres là-bas. On peut pas y aller pour l'instant. D'après la map. Vous n'avez rien réussi à voler, n'est pas. Oui, oui, oui. J'ai été pris par surprise. Oh, une grosse machine. Ah, Tidus est mort. Oui, forcément. Voler.
plus tu vas faire mutavit. Et toi tu vas faire mutamag. Toi tu vas voler. Ça m'emmerde, je voulais les soigner, mais je peux pas. Ils tombent sur des machines. Surtout qu'ils me prennent par surprise. Bon, ok, y a plus rien. Donc, là-bas, je vois un coffre. Chose décrit. Danger. Tempête de sable. Alors. Mais c'est bien, nous, avec les accents. Le C, S, ouais, le P, B, M, L. Ouais, je l'avais déjà. Et le K. Mais non, j'ai été pris par surprise. Pute. Oh merde. J'ai obligé d'utiliser des queues de phénix juste parce que on me prend par surprise. Non mais le focus là. On vous voit. Et lui, il peut très bien faire Ryuken. Je pense 14 PV, il y a moyen de le tuer. C'est good. Pourquoi il y a autant de prises par surprise? C'est le sable qui fait ça? Ah yes. Bah yes. Allow me. Oh bah dès qu'il faut quelqu'un qui esquive tout et qui fait des dommages, on appelle Lulu. C'est bien connu. Brasier. Putain, mais je me fais bolos par des putains de corbeaux là. Bon, des corbeaux avec un bec comme as, mais quand même. Se calme le corbac. Piège.jpeg. Permettez. Oh, des points de précision. Non. Dingue. Et Tidus aussi. Des points de précision, quoi. Ah, mais j'ai plein de potions plus. Ça avait point. Alors, on va tout de suite se préparer. Voilà, on va mettre ça, comme ça au moins on est sûr. Alors. Balsamine
et sable. Rien d'intéressant à voler. Oh, on connaît pas la vulnérabilité. En vrai, attendez, il y a moyen de tricher en fait. Tu sais qu'il y a Annalie, qui marie, je crois. Voilà, je sais qu'il est vulnérable au feu. C'est débile. Casser le jeu. Je tourne. Je triche, j'ai le droit. Pétrifie de peur un adversaire. Non. Ah, la garde. En vrai, tu sais quoi? C'est quoi, frère? Oh, et puis il a lancé graine au but, je suppose qu'il n'y a rien à voler dessus. Oui, sur elle. Bien joué. Et tu as retiré la... Retirer la... Comment ça s'appelle? La confusion. Oh là, les dégâts qu'elle fait, elle. Pourquoi sur Lulu? Je pense qu'il a bien compris que c'était la meilleure de l'équipe, tout simplement. Elixir. Oh, ça vaut le coup du coup. Attendez, parce que là il y a quoi à gauche? Quoi qu'il y a des structures. Ah, là il y a un coffre ici. On a un peu plus loin et il y avait un trou à droite. Non, on va faire mieux, attendez. On va mettre Riku. Riku's back. On lui fait voler. Ensuite, Lulu, on la garde. Et lui, on le fait remplacer par Tidus. Qui va décomposer. Encore une fois, les mobs avec beaucoup trop de points de vie. C'est chiant. Maxi potion. Des robots. La foudre. Je sais pas si sur la version Steam, quand tu utilises les cheats, ça bloque les succès ou non. Aucune idée. Je suppose que oui. Mais étant donné que j'ai pas prévu de cheat, a priori, ça devrait aller. Oh, pris par surprise. On s'attendait vraiment pas à ce que les adversaires soient là. Enfin, à ce que l'adversaire soit là. J'ai quoi qui fait du feu? Absolument rien. Ah, super. La petite grenade aveuglante, là. Putain, il est immune. Ok, il choisit une personne et c'est cette personne qui prend cher. Très bien. Il te servira à rien. La grenade ne fait pas des dégâts de feu. Ben, c'est pas indiqué contrairement aux autres objets.
je peux tester. Merci. Oula. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non. Mais trop bien. C'est Destin. Alors, utilise son overdrive. Mais le problème, c'est que je sais pas les combinaisons. Est-ce qu'il y a un truc dans le jeu qui nous indique, qui nous aide pour les combinaisons? Tiens, ça retire l'analyse quand il est confus qui meurt. Ou alors c'est vraiment juste à... Il faut tâtonner, soit. Le cadreur fou. Eh, mais vous savez quoi? Elle fait pas de dégâts, Rico. Ah, mais elle esquive trop. Mais du coup, c'est Rico qui prend cher. On a fait un cercle. Voilà, ils sont tous confus. Et là, elle réussit à toucher. Bordel de merde. Ah. Oui. Non. Ah, mais attendez, la potion Albed. Non, ça retire pas la confusion. Tu m'as soigné, tiens, prends ça, pas de connasse. Oui. Bien joué. Vas-y. Non. Bon, en vrai, tape l'adversaire. Alors là, il va apparaître ensuite dans la liste de Riku. Mais il me semble pas que ça indique les objets utilisés selon les effets. Voilà, moi je voudrais savoir si à un moment on trouve, je sais pas, des recettes ou quoi. Il nous dit grenade plus grenade aveuglante égale. Je sais pas quoi. Bon, c'est chiant. Mais une bise. Ils ont trop d'esquives. Ah voilà. Bien joué. Ok. Non, elle a, il a raté. Quel enfer. Ça me rappelle un ennemi de Final Fantasy 4. C'est dans le 4 où il y avait le dragon là qui m'a enculé. Ou c'est dans le 3? Non, c'est dans le 3 ou 4, je sais plus. Genre de dragon squelette là. Où on pouvait juste pas jouer. Sphère succession. Qu'est-ce que c'est que ces sphères? Ouais, il te refile le ruban derrière, exactement. Transporte vers une case activée par un allié. Mais est-ce que ça serait pas exactement ce qu'il nous faut pour... Je trouve pas, pour Riku. Est-ce que ça serait pas bien de se téléporter... J'ai pu Yuna. Mais genre là. Enfin, je sais plus où c'est. Là. Là peut-être. Non, bah non. Là. Là. Non, là. Oui. Au moins, elle pourrait devenir heal. Elle servirait à quelque chose. Ah, parce que. Pas qu'elle sert à rien. Mais...
C'est pour ça que je t'ai recommandé d'attendre avant de revenir en arrière. Ouais, puis dans tous les cas, j'étais pas prêt pour revenir en arrière, mais je savais pas qu'il y avait des sphères de ce type-là. C'est intéressant. Très intéressant. Prenez. Attendez quoi? Eh oui, non, d'accord. L'avalanche. L'avanche. Putain, mais c'est des cons. Même pas mettre de quoi. Quels sont les objets compatibles? Impossible d'avancer avec cette tempête de sable. Et un mur invisible. Sacré nom de nom. Oh bah, il est là le fourmillon. Waka, t'as pris trop cher. Faut te remplacer. Parti. Elle va faire glacier plus sur lui. Quand est-ce qu'on a les résultats du choice d'hier? Bah déjà, il faut que je mette la VOD sur YouTube. Vu que les gens de YouTube peuvent participer, si je dis lol, vous pouvez participer dans la description et que j'ai déjà fait le tirage. Pas trop le faire. Du coup, je dirais dimanche prochain que les VOD du Humble Choice. Riku, t'as vu où tu mets les pieds? Vu que les VOD sortiront dimanche. Parce qu'au moins lui il s'est tapé sur des ennemis. Les autres ils sont plus lâchés. Ah, par contre, Auron confus. Faut pas qu'il tape n'importe où. La grosse épée dans la tronche, pas fan. Il peut jouer deux fois, très bien. Parfait. Coup d'épée. Magie. Par contre, no joke, j'ai rien essayé CSGO avant les dramas. Aïe aïe aïe. Ouh, la belle ski. Bah après, en soi, le problème ne vient pas tant de CSGO. C'est plutôt de... notre connaissance commune. Pour ne citer aucun nom. Ça y est, t'as retrouvé la route. En vrai, comment elle fait pour se repérer dans un désert? Panique.mp4. Ah ouais, c'est un refuge, ouais. Ah ouais, c'est un lieu de repos. Ah bah super. Ah bah voilà, CSGO, on en parlait. Mais ce flou de mouvement, hein, vraiment. Arrêtez. C'était comme ça dans le jeu de base ou c'est le portage? Between Yevon and the Albed? Gygek Fanuk!
Mais non. Eguado, machin, invoqueur. Not only Yuna, right? Right. On le sait depuis un bout de temps qu'il est le père de Riku. Bah non. Première fois que j'entends le nom de Sid, donc donc non. Mais non! Mais non, mais idiot! Je vais juste faire les bords. Oh non, putain! Mais le mec qui crie là. Ah, Manuel Dalbed! Qu'est-ce qu'il fait là? Le C correspond au S, ça on l'avait. Je deviens Edith Taïd en Albed. Yuna, where are you? Yuna nous demande à un moment si on a vu un homme appelé Sid sur le bateau du début du jeu. Elle nous dit également que c'est le moment, que c'est son oncle. Oui, et alors? Du coup, à aucun moment, on sait que c'est le père de Riku. Et donc, à aucun moment, ton justificatif n'explique pas que ce soit, mais... Ça me fait penser à un bruit de vague dans FF10-2 qui est full buggé et qu'on entend en boucle. Ah tiens, il fait pas auto-potion ? Alors ton justificatif, Groudon, c'est tu parles de tout le monde sauf de Riku. Parce que là on parle du père de Riku. Asanoi, Tai. Mais il me semble qu'il a dit que Riku est la cousine de Yuna. Alors non, pas du tout. Mais bah, du coup, maintenant je le sais. Yes. Je ramène Riku. Et je fais utiliser une potion d'Albed. Elle va faire placer plus sur lui. Overkill. Non, mon point faible. Esprit de bombe. Ah, c'est pas grave. Utiliser une potion d'Albed. Ils ont silence Lulu. Possible. Comment ils ont compris? Ah c'est bon, je suis plus silence. En vrai, je vais mettre Tidus juste pour qu'il passe son overdrive. Et toi, si on te vole? Potion. Oh,
Mais Auron, il peut tellement jamais attaquer. Genre, il a très peu de... vitesse. Ah, bien vu, la potion Albed soigne les altérations d'état. C'est pas faux. Bien joué. Enfin, elle en soigne 3, il me semble. Voilà, et là je suis censé choisir entre aller à gauche ou à droite, sauf que je vois rien. Alors là c'est d'où je viens. Donc, que j'aille par là. Oh non. What did he say? We have to get underground. Where's Yuna? The Summoner Sanctum. This way. Oula. Ah non, eux ils sont forts. De mémoire. Ok, vous savez quoi, c'est le moment d'utiliser l'alchimie. Entre une grenade et un globe électrique. Thunderbolt. C'était pas ouf. Faut pas se mentir. Et on adore l'aléatoire ici, donc on va utiliser l'overdrive de Tidus. Très nul, très naze. Overdrive. Tous les ennemis, dents de dragon. Je sais plus ce que c'est la combinaison. Très bien. Mais nique ta mère. Ok, nice. Ensuite ici on peut mettre Kimari à la place parce qu'il a analysé. Et on voit qu'ils ont aucun point faible. Ce sera suffisant. Que ça marche. Je vais juste gagner du temps. Ça a marché. Lui il peut attaquer. Kimari il va remplacer. Il va laisser sa place à Riku. Comme ça elle peut soigner. Et comme ça Auron finit. Non! Vas-y, Riku. Let's find Yuna! Quick! Ouais, alors attendez. Des PV en plus pour Auron parce qu'il en avait pas assez. Pour l'instant, elle, ça sert à rien d'avancer. Tidus, il va gagner des PV, donc ça serait agréable. Ou encore, on s'en fout. Kimari. Il va venir là. Et débloquer de l'esprit. Lui a un point, elle peut faire quoi avec un point, venir ici et débloquer 4 d'esprit et c'est tout. Ok.
Qui a besoin de vie d'ailleurs? Marie un petit peu. Enfin, je veux dire en réserve. Y'a rien par là? Si. Ah, je l'avais même pas vu. Potion Albed en plus. Et j'ai l'avantage. Le jeu qui le dit. L'overkill. Ah, le one shot, moi, putain, trois fois rien. Merde. Du coup, limite, j'ai envie de mettre Riku pour lancer une grenade. Ça va tuer un bombo, peut-être deux. Seul. Et pip. Non, je devrais voler les bombos, je suis con. Du coup, je rejoue. Trois esprits de bombos. Marie qui est un petit peu dans le mal. Marie qui est beaucoup dans le mal. Marie qui va tout de suite... un Ryuken. Fois 270 mana. Grand et calme. On va utiliser une potion d'Albed. Et ça ne retire malheureusement pas la confusion. Est-ce que j'ai encore besoin de points de vie là? Ah, et là, autre truc qui me trigger. Quelle est la vie max de mes personnages? Ah, je suis obligé d'aller chercher une potion ou un truc dans le genre pour voir. Il est con. Oh, bien joué. Belle esquive. Nice. Ok, il y a un point de sauvegarde à gauche. Il y a un mec mort là. On va aller par là, ok. Sauvegardons. Il y a ici.